Effectivement, on peut dire en ce moment qu'on vit une période de reflux. On ne peut pas l'expliquer en trois mots, hein, mais une des raisons essentielles, on n'a pas réussi, je pense que ce n'est pas notre fait, mais on n'a pas réussi à créer un réel dialogue avec les autorités publiques au niveau national. Les ministères ne sont pas rentrés dans un réel dialogue avec nous, et en particulier l'éducation nationale. Quand on s'appelle réseau école et nature, ça doit être soi pour tout le monde qu'on est branché forcément avec l'éducation nationale. Et après 30 ans d'efforts, ça n'a jamais été le cas, quoi. Et on voit aussi maintenant dans des régions, hein, des graines qui, sur un changement de pouvoir politique au niveau de la région, se retrouvent sans interlocuteur de niveau régional. Et sans financement, évidemment, ça va avec. Mais le pire, c'est peut-être qu'on n'a même pas d'interlocuteur, parce qu'on peut imaginer qu'il n'y a pas d'argent, mais ça n'empêche pas de discuter. Ça. Un pauvre peut parler, donc on peut lui expliquer pourquoi il ne donne pas d'argent. Eh bien non, c'est une espèce d'ignorance. Alors donc, forcément, comme on a beaucoup investi, on y a beaucoup cru. On a cru parce que l'accent était mis là-dessus dans les conférences de Stockholm en 72, dans la conférence de Rio en 92, l'accent sur l'éducation à l'environnement, sur la participation citoyenne, sur... On l'a cru. Et on a cru aussi qu'une société civile organisée, un corps intermédiaire constitué, pouvait devenir un interlocuteur pour les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics nous ont reconnus dans le sens, par exemple, où ils nous donnent un siège au Conseil national de la transition écologique. Mais voilà, c'est presque de la fumée, quoi. Parce que de façon tangible, eh bien, il n'y a pas vraiment de travail collectif, il n'y a pas un travail ensemble pour arriver à des résultats, quoi. À propos des relations avec les réseaux de conservation de la nature, il faut observer qu'on n'est pas forcément dans la même culture, puisque l'éducation à l'environnement national, avec École et Nature en particulier, mais aussi d'autres acteurs, est beaucoup dans le développement de l'esprit critique, dans la dimension citoyenne, la capacité de chacun de faire sa propre opinion. Et dans les réseaux d'environnement, on n'est pas toujours dans cette idée-là. Trop souvent, hein, on pense qu'il faut donner les bons comportements, on pense qu'on a les savoirs, qu'il faut transférer les savoirs. Alors que dans l'éducation à l'environnement, on va être beaucoup plus dans le champ éducatif, sur les savoir-être, sur les savoir-faire. C'est des choses assez différentes. Et au niveau local... Il y a des alliances très fortes entre les gens de la conservation et les gens de l'éducation à l'environnement. C'est très différent d'une région à l'autre. Et au niveau national, c'est sûr que le niveau national, en ce moment, c'est un niveau très difficile. C'est une échelle très difficile à travailler, l'échelle nationale. Donc je pense que vraiment, aujourd'hui, l'avenir de l'éducation à l'environnement, c'est local. La renaissance de cette animation nature va se passer avec des nouveaux mots-clés, hein, qui sont là maintenant. Ces nouveaux mots-clés, c'est proximité, c'est diversité, c'est concertation. Le territoire, comme il l'a fait pour l'alimentation, on a un problème d'alimentation, on se discute, etc., on crée une AMAP, hop, très bien, une AMAP, voilà, un problème d'alimentation qui est un peu réglé pour certaines personnes dans le territoire. On en a marre que les enfants mangent n'importe quoi à la cantine, on se réunit, la mairie, les associations, les parents, les enseignants, etc., et on crée une cantine bio. Et localement comme ça, maintenant c'est pas le thème de l'alimentation, c'est le thème de l'éducation. Mais maintenant, ce thème est en débat en France. Quand on a une centaine d'écoles qui se créent associatives, qui se créent parents en France, et quand on voit le niveau de souffrance scolaire, et maintenant des parents qui choisissent leur lieu de résidence à cause de l'école, on est vraiment dans un vrai problème en France au niveau de l'éducation. Et donc maintenant, ce problème est en débat. Surtout que c'est une évidence pour tout le monde aujourd'hui que, vu la crise écologique, le niveau de la crise écologique, ça va de soi que toutes les institutions éducatives françaises, nationales, doivent s'engager dans l'éducation à la transition écologique. Et donc, le local, il y a aussi quelque chose qui est très très favorable, c'est la santé. Parce que maintenant, on sait qu'il y a un syndrome de manque de nature, beaucoup de gens le savent. Et on sait le bienfait que la nature apporte aux enfants en particulier, et on ne veut plus les priver de ça.
Et maintenant, les gens commencent à prendre un peu l'initiative, et d'une façon ou d'une autre, ça avance dans la conscience du corps social. Et le corps social, aujourd'hui, veut répondre à ce besoin des personnes, des familles, de donner aux enfants la possibilité de faire la connexion avec la nature. C'est ça le sujet maintenant, hein. C'est plus simplement une connaissance de la nature, c'est vraiment de faire la connexion avec la nature. Parce que nous sommes de la nature, nous ne sommes pas dans la nature, nous sommes de la nature. Dans le travail qu'on fait, dans le travail éducatif qu'on fait, on s'est rendu compte assez vite que ce qui était le plus important de tout ce qu'on faisait, c'était de donner la possibilité aux enfants, mais aussi aux adultes au même titre, hein, de vivre des expériences de nature. Et l'expérience de la nature, on la vit au contact. Et si on fait, par exemple, une sortie nocturne, eh bien, il se passe des choses qui ne se sont jamais passées. Pour certaines personnes, pas pour tout le monde évidemment, mais pour certaines personnes, c'est complètement inédit, il s'est passé des choses qui ne se sont jamais passées. Et si on fait une pêche à la rivière des insectes aquatiques, eh bien c'est pareil. Si on fait une analyse un peu de la litière de la forêt, ou si on fait n'importe quelle promenade avec un forestier, ou ce qu'on veut, à chaque fois, ce sont des expériences. Albert Einstein qui disait hein, que la connaissance vient de l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Et si on veut que ce lien de la nature se constitue, se crée, il ne va pas se créer sur la connaissance, il se crée sur le fait d'avoir vécu des expériences en nature. Et plus on va en vivre, plus on va avoir ce lien qui va être fort avec la nature. Parce qu'il y a aussi toute une dimension du corporel là-dedans, du bien-être, de la respiration, de la présence, de la connexion. Maintenant, ce mot « connexion », c'est devenu le mot-clé numéro un de toute l'éducation à la nature et à l'environnement. Once again.